Allez, salut à tous et à toutes, et bienvenue sur la chaîne Expert Pilot School, assistée aujourd'hui par la chaîne Adam 42G. On est sur le 43e rallye du Mont-Brisonnais. Ça promet un beau spectacle, il y a du monde, le soleil est au rendez-vous. Pour cette vidéo, on vous a concocté une édition spéciale avec un angle multiple, puisqu'on va avoir des témoignages des bénévoles qui ont organisé cet événement, des commissaires ainsi que des spectateurs. Allez, sans plus attendre, pêle-mêle. Notre aventure commence ici, il est 7h. Déjà, les premiers bénévoles sont en action. On va aller voir ce qui se passe. Alors, on peut voir que les bénévoles sont déjà en train de décharger tout ce qui est panneau pour la finalisation des spéciales, pour que les concurrents puissent s'exprimer dans les meilleures conditions et en toute sécurité. Alors, je suis en compagnie de Robert. Robert, c'est celui qui coordonne les opérations. C'est un élément qui est très important. Bonjour Robert. Alors, bonjour. Qu'est-ce que c'est le métier de bénévole? Le métier de bénévole, c'est simplement de la passion. Il faut être passionné et disponible. Et après, voilà. C'est... Et je pense qu'il en faut beaucoup pour se lever à 6h du matin. Alors, cette fois-ci, je suis avec Jean. Alors, Jean, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On est en train de faire le balisage, comme on a fait dans la semaine sur les spéciales. D'accord. Et il a quoi pour but le balisage exactement? Pour que les pilotes puissent courir en toute sécurité, okay. On met tous les obstacles. Et des rubans un peu de partout, pour, partout où c'est dangereux, les cordes pour pas que les pilotes aillent dans le décor. Bien sûr. Okay. C'est un élément très important, et si ces personnes n'étaient pas là, je pense que le rallye se porterait beaucoup moins bien. Alors on vient de rentrer à l'intérieur, on vient de se réchauffer parce qu'il fait pas très chaud dehors. On est à la table des officiels, ils vont venir récupérer leurs documents. Il y a des infos qui sont importantes dedans, comme des consignes de course ou des roadbooks. Il n'y a plus qu'à. On est en train de barrer la place pour que la sécurité soit assurée. On va prendre cette barrière, on va les décaler. Il faut mettre la main à la pâte. Le métier de journaliste, c'est aussi donner un coup de main. Et voilà, la route est maintenant barrée. Peu à peu, le rallye prend forme. Alors, je suis avec Monsieur Villard, qui est président à l'ASA du Forez. Monsieur Villard, bonjour. Bonjour. Comment vous voyez le rallye, vous, de votre point de vue à vous? Eh bien, écoutez, du point de vue de l'organisateur, aujourd'hui, les choses sont plutôt satisfaisantes, puisqu'on a plus de 160 partants. Donc, vraiment une satisfaction. Satisfaction aussi parce que nous avons 9 équipages 100% féminins dans le cadre de l'opération Octobre Rose. Et puis, on a 22 équipages qui concourent dans le challenge championnel, c'est-à-dire les jeunes de moins de 25 ans. Donc, effectivement, une satisfaction de ce côté-là. D'accord. Alors, c'est vraiment, pour le coup, un plateau qui est complet, là, cette année, le Mont-Brisonnais. Hein? Ah oui, là, on peut vraiment dire que le plateau est complet. Il a fallu qu'on demande 2 dérogations à la fédération. Oui, on est, je pense, au maximum de ce qu'on peut raisonnablement accepter sur l'ensemble du parcours, puisque à un moment donné, comme c'est une boucle, il est évident qu'on ne peut pas accepter la totalité des concurrents qui auraient souhaité venir. Mais on a essayé de ne laisser personne dehors. On s'est levé tôt pour faire ce reportage, pour venir voir et faire découvrir un peu aux gens l'envers du décor, et on a vu que les bénévoles étaient très importants. Alors, effectivement, il y a 300 bénévoles environ sur un rallye national comme le rallye du Mont-Brisonnais. Et il faut les remercier parce que sans ces gens-là, le sport automobile n'existerait pas. Vous pouvez amener Sébastien Aubugier ou Sébastien Loeb avec leur Toyota ou avec leur Ford au départ d'une épreuve chronométrée. Ça s'arrêtera là parce que eux sont professionnels, mais c'est uniquement les bénévoles qui sous-tendent le secteur des sports mécaniques en France. Exactement. Est-ce qu'on a essayé de mettre en lumière? Dernière question, vous avez une préférence pour une spéciale ici? Ah, bien sûr, la préférence pour le Mont-Sémiol, qui est la spéciale emblématique. C'est une ancienne spéciale du rallye Stuttgart, Solitude de Lyon-Charbonnière, du rallye du Forêt qui est même venu à une époque. Elle est reprise par le Tour Auto. C'est vrai que c'est un des juges de paix. Elle est citée par un certain nombre de pilotes. J'étais il y a quelques jours avec Romain Dumas. C'était ici son premier rallye. Le rallye est Mont-Brisonnais. Il se rappelle toujours de Mont-Sémiol. Mais j'ai aussi une petite tendresse pour celle qui part de Vaux, qui monte au cimetière de Saint-Georges-en-Courant, en cousant, qui descend au Pont du Diable et qui arrive à Quarolles après. Col de la Pelletière, je pense que c'est, comme le disait Jean-Marie Coq dans son interview cette semaine, c'est une vraie belle spéciale avec beaucoup de changements de rythme, pas mal de difficultés, du rapide, de l'étroit, de la montée, de la descente. Elle a aussi son caractère. C'est complet. On va voir ça tout de suite dans le tour d'Alex. Alors après le bénévolat, on arrive au vérif. On est sur un point de vue unique. C'est là où les voitures se font vérifier.
Là, on voit si tout est conforme. Allez, sans plus attendre, on y go. Alors, cette année, il y a vraiment un beau plateau. Il y en a pour tous les goûts, de la R5 jusqu'à la 306 Maxi qui est derrière. Les vérifs, c'est juste derrière. On va aller voir pilote, commissaire pour voir ce qu'ils en pensent. Alors là, on est vers la table des commissaires techniques. C'est là où le passeport, entre guillemets, de la voiture est validé. Après cette table, la voiture, elle peut prendre la route en toute sécurité. C'est acté. On va aller leur demander comment ça se passe exactement. Bonjour. Est-ce que vous pourriez répondre juste à une ou deux questions? Qu'est-ce que c'est le métier de commissaire technique? Eh bien, on contrôle tout ce qui est sécurité au niveau d'une voiture. Donc ça va du passeport, les fiches d'homologation, l'arceau après, et puis tout ce qui est en conformité, tout ce qui est équipement, pilote, copilote bien sûr. Et puis voilà, et pour finir, on fait un tour de la voiture, voir si tout vous correspond bien au passeport technique. Voilà. C'est en ordre et qu'il n'y a pas de danger tant bien pour l'équipage que pour la voiture finalement. Tout à fait, voilà. Merci à vous. Merci. Alors, je suis en compagnie de Nicolas Fontanet, propriétaire de cette Clio Group. Quelle classe? A7. A7, d'accord. Donc, grosse auto. Nicolas, comment on appréhende les vérifs techniques en tant que pilote? Toujours un peu de stress, de la sérénité? Non, pas spécialement de stress. Après, c'est la première fois qu'on passe au vérif avec celle-ci, parce qu'on vient de l'acheter. Donc, tu auras un peu d'appréhension. Voiture soit tout bien réglementaire, mais pas plus de stress que ça. On y va donc serein. Ouais. Une petite préférence pour la spéciale, une spéciale sur ce rallye du Mont-Brisonnet? Ah, j'aime bien la troisième, je trouve qu'elle est sympa, vachement technique sur le départ, dans la montée, et puis après on retrouve du rapide sur la fin, donc ouais. Belle spéciale. Qu'est-ce qu'il faut y réunir dans cette spéciale pour faire un bon temps? Ouais, je pense qu'il faut partir sur un bon rythme sur le départ qui est assez technique, et puis après essayer de gérer le changement de l'adhérence et puis le changement de profil au fil de la spéciale. Merci à toi. Merci. Alors je suis en compagnie d'Emilien, copilote sur cette fameuse 306 Maxi. Alors bonjour Emilien, qu'est-ce que c'est de conduire, de copiloter à bord d'une 306 Maxi? Déjà on vit dans une voiture, enfin on vit un rallye dans une voiture mythique. Tout le monde la connaît. Exactement, c'est très populaire. Ouais. C'est un rêve, c'est sûr que pour goûter d'autres voitures, celle-là reste unique. Elle prend son bruit, ça, on va dire, sa sensation qu'on a dedans, ce qu'elle nous procure, c'est vraiment une voiture exceptionnelle. Et voilà, enfin, que du rêve, c'est vrai que c'est, beaucoup de gens voudraient rouler dedans, je pense. Au niveau des notes, pas trop dur de suivre la cadence, j'imagine, ça doit aller très vite dans ces autos quand même. Oui, après avec Pascal, on est un équipage local. Pascal, il a gagné 3 fois le Mont-Brisonnet. Moi, une fois avec lui en 2018. La cadence, maintenant, je m'y suis fait. Ça fait quelques années que je suis copilote de Pascal. Donc, on a notre rythme, on a notre cohésion. Ouais. Donc, tout va bien. Non, c'est une équipe qui marche. C'est une équipe qui marche maintenant. On est rodé. Une spéciale préférée sur ce rallye du Mont-Brisonnet ou pas? Ouais, le S1, la route nouvelle, la première, c'est vraiment. C'est vraiment la spéciale du rallye, c'est la spéciale de Pascal, c'est vraiment celle-là dans laquelle on s'amuse le mieux. D'après toi, qu'est-ce qu'il faut y réunir comme ingrédient pour performer dans cette spéciale? Faut la connaître déjà, je pense que c'est déjà l'avantage. Elle est très rapide, elle a quelques endroits, elle a ses petits secrets. Je pense qu'une un premier passage dedans pour être très vite, c'est compliqué. Ou chapeau au gars, faut vraiment qu'il ait un système de notes parfait qui lui correspond très bien au pilote. Nous, c'est l'expérience qui parle là quand on est dessus. Pour ceux qui ne l'auront jamais fait, vraiment, il faut qu'ils aient une bonne prise de notes. D'accord, merci de tes conseils. Et puis, on va y aller tout de suite. Merci à toi.